À Nantes, le premier conseil municipal de l'année aura lieu demain. On y débattra du budget et de la question des solidarités. Anaïs Michaud nous en donne un avant-goût. 2017, c'est l'année de l'accélération pour la mairie. De nombreux projets engagés par la municipalité depuis 1, 2 ou 3 ans vont enfin voir le jour, et ce, dans tous les domaines. L'extension de certaines écoles en Père Louise Michel, c'est le passage progressivement de toutes nos écoles au très haut débit, 60% dès la rentrée prochaine, c'est l'équipement des tableaux blancs interactifs, ça c'est pour l'éducation. Dans le domaine sportif, par exemple, deux projets concrets, un autour des halles de tennis sur la dure entière et puis le développement notamment du synthétique pour les quartiers ouest. En termes de sécurité également, avec l'ouverture cette semaine de la Maison de la Tranquillité et la mise en place de l'îlotage, des rondes dans tous les quartiers effectuées par 20 policiers recrutés pour l'occasion. Au total, 64 millions d'euros d'investissement pour les équipements contre 58 millions l'an dernier, avec une priorité donnée aux solidarités et à l'éducation. Mais concrètement, avec quel financement ? On s'est désendetté sans discontinuer depuis 22 ans. Et donc, comme notre objectif, c'est de maintenir la dette à la fin du mandat au même niveau qu'au début, nous avons une possibilité de nous réendetter légèrement de 6 millions d'euros, si ma mémoire est bonne, en 2017. Comme promis, pas d'augmentation des impôts locaux, c'était un engagement fort de la campagne en 2014. Et la municipalité l'a rappelé, cela restera une priorité jusqu'à la fin du mandat. Le troc est à la mode, un système qui permet aussi aux plus modestes d'améliorer leur quotidien. Exemple à Nantes-Nord avec Claire Villalon. Vous en avez marre de votre pull marron, mais vous auriez bien besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Le projet Étiquette est fait pour vous. Depuis 4 ans, Elisabeth ouvre tous les jeudis un espace de troc de vêtements dans les locaux du centre socio-culturel Bout des Pavés. Une belle initiative qui part d'un simple constat. Avant, j'étais sur le secteur enfance, j'étais en direction du secteur enfance, donc du centre de loisirs. Et j'ai vu avec les années que les familles avaient quand même de plus en plus de difficultés financières. Parallèlement, je vois aussi qu'en bas des tours, là, il y a toujours des choses qui sont jetées, qui sont encore en très bon état. Et je me suis dit qu'il y avait sans doute un truc à faire là-dessus, sur un peu le donner une seconde vie, ou faire en sorte que les objets en bon état puissent continuer et servir à d'autres personnes derrière. Pour participer, il suffit d'apporter les habits qui dorment dans votre placard. On peut ensuite troquer par exemple un pull contre un pantalon. S'il y a plus de dépôts que d'affaires prises, une étiquette est remise à la personne avec le crédit dont elle dispose lors de son prochain passage. Un système qui en a séduit plus d'une. Comme j'ai très peu de revenus assez faibles, ça me permet de renouveler ma garde-robe à pas cher. On n'a pas dépensé de sous et puis on ne jette pas. Enfin, autrement, je donne au relais. Mais là, c'est sympa. Puis en plus, on fait des rencontres. C'est aussi un lieu d'échange. Voilà, ça nous permet aussi de trouver des vêtements d'enfants, de femmes et en même temps de discuter. Depuis son ouverture, 245 personnes fréquentent le lieu. Le troc s'est aussi ouvert aux objets de la maison. Alors si vous voulez changer de décoration ou de vaisselle, rendez-vous tous les vendredis au centre socioculturel du Bout des Landes de 9h30 à 17h. Le festival de musique urbaine Hip-Hop Session poursuit son développement. Une programmation riche pour cette 13e édition, mais pas seulement. Claire Villalon. Un QG rien que pour eux, ils en rêvaient, c'est désormais chose faite. Pour cette 13e édition, le festival Hip-Hop Session se dote donc d'un lieu. Il s'agit d'un bâtiment du centre-ville réhabilité l'été dernier pour recevoir l'exposition Graphicama dédiée aux arts graphiques. Une grande nouveauté pour l'équipe. C'est un projet qu'on a depuis plusieurs années. Trouver un lieu central et qui fédère un peu toutes les énergies autour du festival. Là, cette année, on a l'opportunité d'avoir un super lieu pour faire ça. Et on espère qu'on va pouvoir continuer à en trouver pour pouvoir continuer à le faire sur les années suivantes. Pendant les 2 semaines du festival, ce lieu va accueillir des conférences, des mini-concerts et une exposition graffiti. Cette dernière est réalisée par le collectif CNN 199. L'idée, c'était de faire découvrir ce crew que j'ai rencontré moi pendant un voyage au Sénégal. J'ai rencontré 2 membres du CNN en fait, et l'idée c'était de les faire découvrir à la scène nantaise. Et moi, du coup, j'ai trouvé que le mieux c'était de le faire découvrir pendant une Hip-Hop Session. Cette année encore, le festival continue de rendre accessible à tous ce rendez-vous phare de la culture hip-hop. Concerts en audio description, événements proposés en langue des signes et accessibilité de tous les lieux, sauf le Panonica pour les personnes à mobilité réduite. Quand tu organises des événements, c'est pour en faire profiter le maximum de gens. Au-delà de l'esthétique, si les gens n'aiment pas l'esthétique, on ne forcera pas le destin. Aucun problème, on ne cherche pas à plaire à tout le monde. Par contre, si on plaît à des gens, il ne faut pas qu'il y ait de freins particuliers pour qu'ils les empêchent de venir. C'est vraiment la question. Ouverture du festival le jeudi 16 février prochain.
Lourde défaite hier soir des handballeuses du NLA. Les Nantaises s'inclinent 32-22 sur leur parquet face à Issy Paris. Elles restaient pourtant sur 15 matchs sans défaite. Jean Annex. Le NLA à bout de souffle est battu. Une image que l'on n'avait plus vue depuis le 30 septembre dernier. Après 5 matchs joués en moins d'un mois, les joueuses de Yann Basny n'avaient tout simplement pas les jambes ce mercredi soir. Le cumul des matchs, la fatigue, fatigue mentale, fatigue physique. On est rentré avant-hier le soir. De Danemark, après les trois jours avant, on a joué contre Metz. Donc ça se comprend. Moi, je le comprends. Peut-être pas vous, mais moi, oui. La fatigue pèse depuis un moment. On est rentré lundi soir. On n'a eu qu'un entraînement pour se préparer. Et c'est vrai que voyager une journée, c'est pas vraiment du repos. Et un entraînement pour préparer un match troisième contre quatrième, on sait qu'il y a quand même pas mal d'enjeux, c'est compliqué. Et compliqué dès le début avec un 5-1 infligé d'entrée par les Parisiennes. Malgré les 5 buts d'Isabelle Klein et les 4 de Malin Olta, le NLA n'a jamais trouvé la solution. On n'arrivait pas à attaquer, grosse défense agressive. Et après, je pense que quand t'as pas de jambes non plus pour défendre, c'est compliqué aussi de se mettre en activité un peu plus en attaque. Et on a marqué des buts facilement quand tout le monde était en train de courir. Et dès qu'on était un peu arrêté, c'est devenu très compliqué. Aujourd'hui, en fait, on est sur des parkings et des caisses, quoi. En gros, et la friche de l'abattoir, donc c'est pas très naturel et c'est pas très amène. C'est une autre idée de la ville, quoi. C'est la ville de la fin du d'après-guerre, quoi. En gros, où on était content d'être en voiture et tout ça, et où il y avait donc des parkings, quoi. Je pense qu'il y a moyen, quand même, de fabriquer une ville mieux équilibrée, où effectivement la présence de la nature est plus forte. C'est pas du tout incompatible. Donc le projet, en fait, il améliore beaucoup la qualité du site. Aujourd'hui, on double en fait la quantité d'espace libre. Donc en tout, il y a à peu près 14 hectares de parc mis à disposition. Tout le secteur, en fait, au bord de la Sac des Îles, sur côté Rosé, sera libéré pour faire un parc. Donc ça, c'est en bord de Loire, avec la rive qui descend dans l'eau, etc. Ensuite, on a des séquences de jardins, en fait, qui rentrent dans l'épaisseur du site et qui irriguent, en fait, les logements et les activités qui sont là. Qui fait que quand on habitera là, même si on est à 200 mètres de la Loire, on est à côté du tramway, mais en même temps, on est à 3 minutes du parc, et en plus, avec une liaison piétonne, jardinée, etc. Donc on est vraiment dans un paysage où la Loire pénètre, en fait. Le paysage de la Loire pénètre à l'intérieur du quartier. Ça, c'est très important. On vit au rythme de la Loire. On a 2300 logements sur les îles. Donc ça fait à peu près 7000 habitants, un peu plus. 7-8 000 habitants. Et puis sur Pierre-Mille, c'est 1000 logements, donc 2500 habitants, plus les gens qui travaillent en plus. Il y a déjà beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, les commerces sont parfois en difficulté. Et certains sont partis, etc. Donc je pense que l'apport, cette transformation, cette intensification, donc c'est plus de monde, plus de vie, ça va forcément mieux faire vivre les commerces et stabiliser la présence d'un marché, stabiliser la présence de restaurants et puis de commerces de proximité, quoi, qui forcément vont mieux vivre.